Kate, la duchesse de Cambridge, a parlé ouvertement de la vie quotidienne en tant que mère de trois enfants. La duchesse, 39, a parlé candidement de la souffrance avec un sentiment appelé « culpabilité maman ». Quand elle part pour le travail, selon Giovanna Fletcher. Madame Fletcher a parlé de son podcast Happy Mum, Happy Baby. Madame Fletcher a admis que le fait de savoir que les difficultés parentales de Kate sont similaires aux siennes l'a aidé à se sentir « moins seule ». Elle a dit à Hello. Il y a certainement cette chose qu'en tant que parent où vous essayez constamment d'absorber de nouvelles connaissances qui vont vous aider d'une manière ou d'une autre. Et Jai sentit que c'était vraiment évident avec elle. Et pas seulement pour elle et sa famille, mais ce désir de partager cela avec d'autres personnes pour essayer d'alléger la charge, pour que cette communauté se sente là où les gens ne se sentent pas seuls. Je pense que c'était fascinant à entendre. Et évidemment pour tout le monde, cesse toute cette histoire de culpabilité de maman où vos enfants disent. Tu dois aller travailler aujourd'hui? Tu ne peux pas être ici avec moi? Donc, savoir qu'elle a ça aussi m'a fait me sentir moins seule à l'idée de laisser mon enfant de 2 ans qui veut toujours de moi à la maison. Lorsqu'on lui a demandé si la duchesse avait l'air d'une maman ordinaire, Madame Fletcher a répondu, absolument. Et comme avec la plupart des gens, dès qu'ils commencent à parler de leurs enfants, il y a une douceur, c'est quelque chose qui fait tellement partie de nous. Elle est vraiment très, très pratique et remplit le temps de ses enfants d'aventure. Au cours de la conversation, enregistrée au début de l'année dernière, l'épouse du prince William a admis que parfois la culpabilité de maman deviendrait un défi constant. Lorsqu'on lui a demandé si elle ressentait la culpabilité de sa mère, Kate a répondu « Oui absolument quiconque n'est-ce pas en tant que mère-man en fait. Ouais, tout le temps. Même ce matin, en venant à la visite de la crèche ici, George et Charlotte se sont dit « Maman, comment pourrais-tu ne pas nous déposer à l'école ce matin ?» C'est un défi constant, vous l'entendez à maintes reprises de la part de maman, même de maman qui ne travaillent pas nécessairement et qui ne sont pas obligées de jongler entre vie professionnelle et vie de famille.